Bonsoir à tous. Les pressions sont particulièrement élevées ce soir à la grande salle de Veynes à Lausanne. Le thermomètre pourrait bien battre des records sous les accords délirants des groupes rock. Ambiance électrique et tempétueuse assurée. Maria Métral, Lausanne's Burning faisait-il partie de votre horizon musical jusqu'à ce soir ? Non, j'en avais vaguement entendu parler, mais ça ne faisait pas vraiment partie de mon horizon, bien que j'adore le rock. D'ailleurs, j'étais un petit peu surprise qu'on fasse appel à moi. Bon, après, j'ai compris pourquoi, parce que le thème de la soirée, c'était la météo, donc j'ai connecté immédiatement. Apparemment, ça en a surpris pas mal d'autres aussi. Et après une première prise de température, comment vous sentez l'atmosphère de la salle de Grand Veynes ? J'ai entendu déjà un ou deux groupes là qui se chauffaient, c'est quelques accords. Enfin, moi, j'adore le rock, donc je suis ravie. Puis je suis contente de découvrir des groupes d'ici. C'est déjà mieux. Ouais, enfin, par rapport à tous les autres, c'est pas dans mon équipe. Ils ont quel âge ? Ils ont 18-20, t'as des autres ? Je crois que maintenant, c'est autour de 25. Je pense qu'il y a ceux qui ont 20 piges, ceux qui en ont 30 et quelques. Pour vous, une chanson rock triste comme la pluie, ce serait quoi ? Pour moi, le rock, c'est pas... triste, comme... enfin la pluie, ça, c'est pas triste, donc non, au contraire, la pluie c'est très rock mais sympa. Une chanson bouillante, chaude comme le soleil d'été. Bouillante, chaude, là j'aurais presque envie d'avoir plutôt ce côté d'entendre. Enfin, pour moi, ça évoque plutôt le rock un peu lourd comme ça, hein, pas dynamique, explosif. Et le rock lausannois, vous le voyez comment, doux comme la neige ou complètement givré? Oh non, je préfère le voir complètement givré, ça m'amuse beaucoup plus. We'll be right back.